aujourd'hui, on est dimanche et puis je dois faire beaucoup de ménage dans mon maquillage parce que j'étais faire un petit tour au IKEA vendredi. Donc, on est aujourd'hui dimanche. Je vous le dis tout de suite, mon énergie est pas très haute. Je vais ranger ma luminosité. Mon énergie n'est pas super haute parce que je fais une migraine depuis 2 jours. Donc, j'ai pris ma médication. Ça fait effet. J'ai plus de douleur. Mais ça me rend extrêmement fatiguée. Puis, je dors pas bien et tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais faire un petit vlog bien tranquille avec vous. Je me suis fait un petit matéina. Vraiment, pamplemousse et goyave. C'est ma sorte préférée. Et puis, je vais vous amener en haut. Je vais vous montrer le meuble que j'ai acheté. Puis, on va faire un petit ménage ensemble de mon maquillage. Je vais vous montrer en passant, quand j'étais au IKEA, j'ai acheté 2 plantes. Celle-ci et celle-ci. Là, si vous voyez, là, j'ai été obligée d'en couper quelques-unes parce que ça s'est mis à toutes s'en aller par en bas. Puis regardez celle-là. Elle s'est mise à toutes pourrir, puis tout ça en même pas 12 heures. Donc, je suis bien déçue. 2,99 $, c'est sûr que c'est pas cher, mais ils sont en train de mourir, on dirait. Fait que je vais vous tenir au courant si je vais être capable de la rescaper. Parce qu'ils sont super belles, mais ils commencent déjà à rebaisser un peu. À suivre! Donc, ici, c'est ma pièce que je vous avais déjà parlé. Je vais fermer la porte parce que je suis pas toute seule. Donc, ça, c'est la pièce que je vous ai parlé que j'allais utiliser, qui est l'ancienne chambre de Dimitri. Ici, c'est le bordel. Vous voyez la raison pourquoi il faut que je fasse du ménage. Et je me suis acheté un gros meuble Alex. C'est lui ce qui allait mieux avec ma maquilleuse. Et puis, ça va rentrer beaucoup. Fait que je me suis dit que j'allais prendre mon maquillage qui est dans la pièce là-bas. Puis, toute la mettre dans mes tiroirs-là. Fait que rapidement, je vais vous montrer ce que je vais apporter. Puis on va s'installer par terre. Donc ici, c'est l'endroit un peu à l'envers, avec des vieilles serviettes qu'il faut que je fasse le ménage. Tu sais, les serviettes qu'on garde pour les teintures, les choses comme ça, qui sont tout en train de s'effilocher. Mes produits terminés sont tout en bas. Ça aussi, il faut que je fasse un ménage parce que je veux les filmer dans la prochaine semaine. Et puis ici, ben, il y a tout mon maquillage que je vais aller répertorier là-bas. Donc, j'amène tout ça là-bas, puis on se revoit dans quelques minutes. OK, donc sûrement que ça va peut-être être une longue vidéo. Je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais beaucoup vous parler? Je vais mettre une petite musique, on va mettre ça en avancée. Là, je me suis installée par terre. On n'a pas encore changé la lumière au plafond que je vais adapter pour quand je vais filmer. Fait que j'ai mis mes 2 gros spots là. Et puis, comme vous voyez ici, par terre, j'ai tout mis mon maquillage. OK. Et puis, c'est sur mon cellulaire, hein, je vous le dis tout de suite, parce que je veux être sûre qu'on soit toujours en focus. Donc, je pense que je vais commencer par faire un petit tri, parce qu'il y a des choses, justement, que je veux me débarrasser. Puis, c'est une chose que je fais attention. J'ai tendance à acheter beaucoup pour vous parler de beaucoup de produits, mais des fois, je finis par les oublier ou les mettre de côté. Puis là, ça finit qu'à un moment donné, je les revois. Et des fois, ils peuvent être périmés ou quoi que ce soit. Moi, honnêtement, là, tu sais, mettons, je regarde un fond de teint, là. Ça dit, je vois rien, je pense que c'est marqué 12. Tu sais, comme le L'Oréal que je viens de racheter. Tu sais, il y a des fois où est-ce que je triche, là. Tu sais, j'y vais avec mon propre bon sens. Tu sais, comme là, regardez, lui, là, le Milk, ça fait longtemps que je l'ai. Et puis, je l'utilisais quand même. Puis, à un moment donné, je me suis mis à l'utiliser. Puis, je me suis mis à faire des petits boutons. Donc, lui, justement, il va aller dans la pile à jeter parce que ma peau réagit. Mais je vous dirais que tant que ma peau réagit pas, tu sais, il n'y a pas 5 ans, là, mais tant que ma peau réagit pas, j'ai tendance à les conserver. Bon, fait que je pense que je vais commencer par les 2 que j'ai ici. Non, je parlais puis j'enregistrais pas. Fait que je vais tout recommencer rapidement ce que j'ai ici. Donc, j'avais tout ça ici. Je vais commencer par les bronzers et les blushs. Donc, écoutez, ça, c'est hyper vieux, le Body Shop. C'est comme des petites poudres, des petites perles bronzantes. Je les jette. Ça, je disais que Marcel, c'est un blush que j'aimais beaucoup, mais là, il est comme brisé.
C'est la teinte Mirage. Je ne sais pas s'il existe encore, mais vraiment, c'est une super belle teinte. Mais ça fait trop longtemps que je l'ai. Je m'en débarrasse. Dream Bounce. Hey, ça, c'est un blush super beau qui est mat. Mais là, lui aussi, il est brisé. Il est mat. C'est comme spongieux. Puis la texture est encore belle. Mais là, ça fait trop longtemps que je l'ai. Le packaging est un petit peu fatigué. Je vais le jeter. Deux trucs de Physician Formula. Ceux-là, je vais les garder. OK? Celui-là, c'est des poudres minérales. Dans le fond, si vous regardez, là, elle est comme correctrice. Puis quand on la met sous les yeux, je vais vous montrer un petit peu. Quand on la met sous les yeux, ça va vraiment aller illuminer. Donc, si vous êtes très pâle, c'est une poudre minérale, donc ça fait super beau. Je vous dirais que je me poudre plus beaucoup ou pas au niveau en dessous des yeux, mais je vais la garder pareil. Celle-là ici, aussi, Light Bronze, c'est une poudre minérale de... comme ça. De Physician Formula, je la conserve. Hey, je vous le dis, je vais peut-être avoir de la misère. Là. Vu que j'ai ma migraine, là, c'est... tu viens comme dans les vapes quand tu prends ce type de médicament-là. Mettons que si je viens de les prendre puis qu'ils commencent à faire effet, je n'irai pas conduire. Je me sens pas moi-même. OK. Donc, j'étais rendue où? Ici. J'en ai deux d'Annabelle que je veux conserver. Celui-là, il est super vieux. Je pense qu'il n'existe plus, mais je l'aime vraiment. C'est comme un bronzer que j'utilise en blush. Je vais le conserver encore un peu, tu sais, juste au cas où. Et celui-ci, c'est un bronzer un peu plus chaud. Puis je le conserve, je l'aime beaucoup pour l'été aussi. Deux blushs de Wet n Wild, je crois qu'ils les ont repackagés, ceux-là. Puis c'est pour... c'était vraiment pas du luxe parce que les packagings sont tellement cheap. Mais j'adore les couleurs, je les conserve. Une poudre deux tons de NYC, je la conserve aussi au cas où. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée, fait que je vais regarder. Ça, c'est sûr que je garde. Hourglass. Je l'utilise surtout l'été, quand je suis bronzée. Super belle teinte. Ah! Tu sais, Joe Fresh, là. Moi, cette compagnie-là, là, j'en ai d'autres produits, vous allez voir tantôt. Je les mets au bout. Ils les vendaient au Pharmaprix, puis là, ça l'a comme disparu. Est-ce que c'est parce qu'ils les vendent plus ou ils en font plus? J'en ai jamais retrouvé. C'est tellement un beau blush. Il était... Là, je ne mettrai pas mes ongles, là, parce que ça va mal. Corail... Mais là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, puis ça sert pas à grand-chose que je le conserve, fait que je vais le jeter. Blush Goulou de NARS. Je l'aime vraiment beaucoup, je le conserve. Je pense que c'est un petit paquet cadeau. Ça, c'est un de mes premiers blushs de NARS. C'est une teinte que j'aime vraiment beaucoup. C'est la teinte Sin. Je me recule un petit peu. C'est comme une teinte un peu... un petit peu prune. Super beau pour l'automne, printemps, des choses comme ça. Je le conserve. Hey! Ça, vous le connaissez sûrement. Hein? NYX, c'était un fard à joues dans la teinte taupe, mais tout le monde l'utilisait pour faire du contour. Faudrait que je la réessaye. Je vais la garder. Puis tu sais, de faire du ménage de même, ce qui est le fun, c'est que justement, on recommence à redécouvrir des produits. J'ai toujours tendance à vous parler des produits neufs que j'achète, mais tu sais, il y a tellement de produits sur le marché. Fait que je vais les remettre rapidement dans leur packaging, ici, là. Puis, je vais regarder tantôt si ça rentre dedans. Je vais les laisser dedans. D'après moi, ça va rentrer. C'est toutes des petites caisses que j'avais achetées en plastique. Celui-là, on va mettre ici. Je vais faire rapidement l'autre qui est pareil aussi. Celui-là, c'est sûr que je le conserve. C'est de Wet n Wild. C'est Chambre sur la plage. C'est un bronzer, mais vous voyez, c'est pas un bronzer, un bronzer. Il y a du SPF dedans, puis je l'utilise pour aller un peu setter, mais ça donne tellement un effet lumineux. Là, vous m'avez déjà entendu parler. Je trouve qu'il ressemble au poudre de Hourglass. Ça fait le même effet. Ça, c'est un gros coup de cœur. Je le conserve, c'est sûr. Ça, c'est mon illuminateur préféré de tous les temps. Là. Je vais frotter un peu. Vraiment, là, c'est un métallique. Là. Je l'aime tellement. Il était en édition limitée, puis je sais qu'ils l'ont ressorti à un certain moment, mais je pense qu'il est reparti déjà. Donc, ça, c'est un petit peu plate. Je vais vous montrer encore un peu. OK! Le Mineralize de Skin Finish de MAC. Ça, c'est vraiment la plus belle teinte. Si vous avez un teint pâle comme moi, je l'utilise surtout justement présentement l'hiver. Hey, de Annabelle, là, les gens n'ont tellement pas beaucoup parlé, mais c'est le Chocolate. Il sent le chocolat. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé, puis il est mat. C'est une super belle teinte, ça, je la garde, c'est sûr. Hey, vous rappelez-vous du temps que Target était là? Moi, Target, c'était une place que j'aimais tellement aller. Ça l'a pas pogné pantoute à Québec, je sais pas pourquoi. Moi, j'étais toujours là. Et puis, cette marque-là est disponible là, mais là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai.
Puis il est encore crémeux, j'y ai touché tantôt, là. C'est un bronzer crème. Je vais être obligée de le jeter, mais j'aimais tellement cette gamme-là. Je pense qu'elle est encore disponible sur le site internet, si vous allez fouiner un peu. Ça, c'est vieux aussi, de Hard Candy. Puis ça, là, je la garde aussi parce que c'est un vrai, vrai, vrai dupe, je vous le dis, là, pour les métalliques comme ça. Fait que... Oh, ça pique! Donc, je le conserve même s'il est vieux. C'est vieux. OK! Wet n Wild. Celui-là, c'est l'autre teinte que j'avais acheté, Blossom Glow. J'étais un peu déçue parce qu'il est quand même... il y avait de l'air blanc, mais il est quand même un peu rosé. Donc, ça va pas avec tout. Puis, je dirais même lilas. Tu sais, il est un peu... Là, vous le verrez pas. Mais je le garde quand même parce qu'il est super beau. Puis, l'autre que tout le monde connaît, il est ici, le Precious Petals. Je le garde aussi. Merveilleux. Quand je suis un petit peu plus bronzée, par contre, vu qu'il est rosé, le Master Chrome, ça, c'est vraiment... Ça me fait beaucoup penser, justement, au métallique comme ça. Un autre skin finish que la teinte est plus là, puis il est merveilleux quand je suis bronzée. C'est un illuminateur parfait, je le confirme. Ça, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Le truc a disparu, mais c'est le Milani, le fameux Luminoso que tout le monde parle depuis des années, que j'ai fini par acheter. Je l'adore, je le conserve. Et ça, là, c'est un blush que j'ai tellement utilisé, là. C'est la teinte pêche dans le Clean Glow, la marque Clean Glow de CoverGirl. Je sais pas s'il existe encore, mais je le conserve. Je l'aime trop. Il est vieux, mais je le conserve pareil. Un petit Becca. Becca de Opale. Moi, il est trop foncé pour moi, fait que je l'utilise... je peux l'utiliser quand je suis bronzée. Hey, Becca, il ferme, hein? C'est fou. Tu sais, ils ont fait une annonce il y a 2 semaines, je crois. Et puis, je pense que c'est au mois de septembre, plus ou moins. C'est super triste parce que c'est quand même une belle gamme. Moi, Becca, j'ai aussi le Opal. J'ai le Brightening, la poudre, pas la poudre, pardon, le correcteur pêche dessus les yeux. Et ils ont quand même des très beaux produits. Mais je pense que la dernière lancée qu'ils ont faite, ils ont eu vraiment, tu sais, l'espèce de faux fond de teint, là, l'espèce de crème... qui n'avait pas donné un bon nom, je ne sais pas comment le dire. Mais bref, je pense qu'ils ont fait une grosse ratée, puis ça leur a rentré dedans. Je trouve ça super triste, mais écoutez. Bon, fait que ça, puis ça, c'est fait. Maintenant, j'ai un truc, plein de choses mélangées que je vais faire vite, vite ici, parce que je sais que ça va là-dedans aussi. Mon bronzer joué, que j'adore, je le conserve. Quo, j'en ai parlé, le bronzer aussi, merveilleux. Poudre dessous des yeux de Laura Mercier. Brightening, quelque chose, je la conserve. Mais on dirait que je l'utilise de moins en moins aussi, mais je la conserve. Portfolio. Ça fait pas super longtemps que je l'ai re-racheté. Puis, ben, je tripe pas tant que ça. C'est dommage parce que les couleurs plus pâles me font pas. Je peux les prendre en correcteur. Fait que des fois, j'utilise les correcteurs-là. On dirait que je suis pas autant en amour que la première fois que je l'avais essayé. Ici, produits crème. Ah, vous savez à quel point je les aime, les Wet n Wild. Donc, l'illuminateur, le bronzer, le blush, ça, c'est des produits que j'adore et que je conserve, c'est sûr. Celui-là, je ne l'ai jamais utilisé de Milk. C'est le Holographic Stick. Je vais le sortir justement pour l'essayer. Donc, je laisse ça ici. Là, ce que je me demande, c'est est-ce que j'aurais commencé à en serrer ou je mets tout ça là et j'y reviens tantôt. On va revenir tantôt. Je vais la mettre avec eux autres. La poudre Fit Me. Dans la Set and Smooth, je l'aime beaucoup, 110. Des fois, quand je veux juste me mettre un petit peu de cacherne, puis je mets un peu de poudre, c'est rapide, c'est vite fait. Et voilà. J'ai beaucoup de produits à lèvres et sourcils que je vais peut-être passer vite tantôt, que je pense pas vous montrer. Je pense qu'on va parler vite, vite des fonds de teint, de ce que je vais conserver et où jeter. Je pense que j'ai déjà fait un ménage dedans, fait que je pense que j'ai pas grand-chose à jeter. Donc. Celui-là, vous voyez pas beaucoup, mais le Rimmel... Celui-là, vous le voyez plus beaucoup, mais c'est de Rimmel, le Lasting Finish. C'est tellement un beau fond de teint, là. Il est lumineux, il fait une belle couvrance, sauf qu'il sent un peu, fait que ça, il m'en reste presque plus. Je pense que je vais le terminer dans les prochaines semaines, puis je vais le mettre dans mes produits terminés. L'Oréal Freshwear, je l'ai racheté il y a pas longtemps. Je suis contente parce que pour les deux fonds de teint que j'aime beaucoup, le Quo et le Catrice, je viens de m'acheter. La semaine dernière, j'avais acheté 2 fonds de teint blancs. Je vais vous en reparler. Un de NYX et un de LA Girl. Il y en a un que j'ai retourné. Bref, je peux recommencer à les porter et je suis tellement contente. Celui-là, c'est un. Plusieurs disent que c'est un dupe pour le...
Charlotte Tilbury, le Flawless Filter, mais le fond de teint, là, tu sais, je sais qu'il y a un truc illuminateur, mais pour le fond de teint, paraîtrait-il que c'est la même chose. Lui aussi, il est vraiment fantastique. Ça, c'est crème, je peux juste la mettre, je peux juste la mettre quand l'été arrive, parce que c'est encore une fois trop foncé. Pareil pour mon L'Oréal Infaillible Pro Glow, la teinte est un petit peu trop foncée, donc je les garde pour l'hiver. Je m'étais acheté un Matte & Poreless dans la teinte 245 pour mélanger pour l'été. J'ai-tu dit l'hiver tantôt, ces deux-là? C'est l'été. OK. Make Up Forever, je vais l'avoir terminé bientôt, le fond de teint en bâton que j'aime beaucoup. Mais vous savez que j'aime aussi le Wet n Wild. Donc, tu sais, honnêtement, tant qu'à payer pour lui, lui, il est hyper crémeux. Je l'aime vraiment beaucoup. En parlant de Joe Fresh, c'était tellement l'illuminateur parfait. C'est une base illuminatrice, mais je vais l'acheter parce que la dernière fois, je l'ai réessayé. Puis, tu sais, elle commence à avoir une drôle de texture, mais j'ai pas réagi. Fait que ça me fait chier, mais je vais la jeter. Dream Velvet, je le conserve, je l'utilise pas beaucoup, je vais le réutiliser pour voir si je l'aime encore comme avant. Ici, alors le Dream Urban Cover que j'adore, j'adore, j'adore. Et le Super Stay que j'aime pour mélanger. On dirait que tout seul, je suis pas certaine, mais je vais le réessayer. Comme ça, je vous le redirai. Infaillible Pro Matte, je vais le jeter. Je l'utilisais là, un petit moment, puis tellement moche. Je pourrais le garder pour le mixer, mais non. Je lui ai presque terminé en plus, je vais le jeter. Et Wet n Wild, je le conserve, le Photo Focus. Donc, ça fait le tour des fonds de teint. OK. C'est vraiment à l'envers. Puis ça, c'est juste ce que j'ai là-bas parce que j'en ai d'autres là. J'en ai d'autres aussi dans un autre sac. Ici, j'avais toutes mis les produits à sourcils. On va regarder rapidement. Les Anastasia, je les garde, j'en ai deux teintes. J'ai la Soft Brown et la Taupe, c'est deux teintes extraordinaires. Moi, je les conserve toujours dans la petite boîte, puis ils ne cessent jamais. Hey, celle-là, je l'aimais tellement, le Make Up Forever. Sauf que là, il en reste presque plus. Bon, ben, je pense que je vais le remettre dans ma trousse. C'est une super belle couleur. J'aime bien l'embout qui est quand même assez gros. Fait que je pense que je vais le ressortir dans ma trousse, parce que c'était la teinte, je crois, taupe ou blonde. Je vais le mettre de côté et puis je vais le sortir dans ma trousse. Là, faut pas que je me trompe, faut pas que je le mette avec ce que je jette. Hein? Je vais le mettre dans mon bordel en haut. OK! Ici. Hey, lui aussi, je l'aimais beaucoup, le NYX. C'est un gel pour sourcils, mais tu sais qu'on met sur notre main avec un petit pinceau qu'on applique. Super beau produit. Elf aussi, beau produit, mais c'était marqué brun foncé puis il sort noir. Là, c'est pas des blagues, fait que je peux comme pas le mettre, mais... Je vais le garder peut-être pour le réutiliser dans autre chose. Yves Saint Laurent, vous savez que c'est un de mes fixatifs préférés. Il tient tellement bien. Puis là, je l'ai presque fini. Hey, je pense que je vais le ressortir lui-ci parce qu'il en reste quasiment plus. Je le gardais juste pour des fois pour des vidéos et tout ça. J'ai la teinte que je vois pas. Mais ça va être, d'après moi, la plupart, la taupe. Regardez comme ça, là, un petit... vraiment, là, il tient hyper bien. Je vais le mettre ici. Celui-là aussi de CoverGirl, je ne sais pas s'il existe encore. Ce que j'aime de lui, là, c'est le Shape and Define. Ce que j'aime, c'est la couleur. Elle est tellement pâle, puis ça fait tellement un bel effet de dimension dans le sourcil. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça, je vais le jeter, là. Je ne le réutiliserai pas. Le Essence, j'ai bien essayé, là, le gel mascara Style and Gum, là, non. Ça tient pas, la brosse est immense, ça fait pas grand-chose, puis je le jette. Ici, j'ai un autre petit truc que je vais regarder rapidement. La L'Oréal Infaillible Matte Look. J'ai vraiment aimé, puis là, je regarde, il en reste quasiment plus. Donc, je pense que je vais la mettre dans mes produits à prendre aussi, parce que pour la terminer, la base jaune de Les Ouatiers, c'est une base correctrice lumière, mais le problème, c'est que je suis très jaune maintenant. Je sais pas pourquoi. Mon visage, j'en avais déjà parlé. Je sais pas s'il est arrivé quelque chose, mais mon visage est beaucoup plus jaune qu'avant, puis vraiment très pigmenté. Tu sais, comme vous le voyez, il est quand même assez jaune. Puis, quand on l'éteint, vous le voyez un peu le jaune, fait que ça faisait bien à l'époque, mais là, c'est très jaune quand je l'efface. Fait que c'est ça que je vous disais, je sais pas pourquoi, j'ai le teint quand même assez jaune. C'est surprenant parce que quand on me regarde, on pense que je suis une teinte porcelaine rosée. Mais bref, je vais le jeter. Voilà. Ça, je l'aime tellement. Oil and Shine Control, je le mets toujours ici, là. Merveilleux, fantastique. OK, ici j'avais deux autres produits, vous savez que je les aime pas.
C'est pour foncer et pâlir les fonds de teint. Je vais les réessayer un peu, mais c'est pas mes coups de cœur, mettons. L'Oréal Fit Me que je conserve tout le temps. Le e.l.f. Le Camo Concealer, mais dans la... pas celui qui est hydratant. Je le conserve pareil pour l'utiliser au cas où. Ici, j'avais deux teintes de LA Girl. Du blanc, qui était comme illuminateur. Et le plus pâle, le 110, je crois, porcelaine, il est beaucoup trop jaune. Fait que je pense que je vais le conserver quand même, des fois, pour mixer et tout ça. Ici, j'ai un spray, je vais le jeter, là, il spray comme de la merde, là. Ça... Je sais pas vous autres, là, mais les MAC, à chaque fois que j'en achète, je suis hyper déçue. Je vais le jeter, mais je pense que je vais conserver, tu sais, je vais aller le nettoyer parce que quand on ramène les pots chez MAC, ça donne des... on peut avoir des rouges à lèvres et tout ça gratuitement. Et puis ici, en juste un peu, je vais le jeter aussi, le Matte Finish de NYX, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il fait... mat dans le sens où il fait vraiment tenir, il donne rien de lumineux, puis tu sais, on le sent un petit peu asséchant, mais pas dans le mauvais sens, fait que c'est un beau produit. Ok, rapidement, j'ai retrouvé une autre base que je vais mettre avec la Hard Candy, que je vais commencer à réutiliser parce que j'en testais d'autres, donc vraiment, c'est un dupe pour la Milk Makeup, je ne sais pas moi parce que je ne l'ai pas essayé, mais j'ai des échantillons de Milk Makeup, j'en ai au moins 2-3 petits sachets, fait que je pourrais l'essayer côte à côte, mais c'est hydratant, mais ça fait comme tacky un peu, ça vient comme un petit peu collant, fait que ça fait bien tenir le fond de teint, fait que je vais le mettre avec ça. Et puis ma poudre libre Fit Me que j'aime bien utiliser des fois pour, tu sais, quand je vais aller faire une ligne ici et tout ça, j'ai la misère avec mes mots, hein? Fait que ça, je la conserve. Fait que je pense que je vais commencer à aller vérifier un petit peu ce que je peux aller serrer parce que c'est le bordel un peu partout, puis je reviens. Ok, donc j'ai fait ça une bonne petite heure. Comme j'ai dit tantôt, je suis hyper fatiguée. Fait que j'avais comme pas... j'avais essayé de filmer un peu quand je les serrais dedans. Puis là, ben on voyait pas assez, fallait que je baisse, je monte. Donc là, rapidement, je vais vous montrer vite, on le fera une autre fois. Tu sais, j'ai comme mis... Tu sais, j'y étais à peu près, je pense que je vais prendre le temps de réfléchir à ce que je veux en haut, ce que je veux en bas. Il y a les plus gros tiroirs aussi. Là, vous voyez, regardez derrière moi, il reste plein de choses là. J'ai vidé pas mal de choses ici, mais il reste là, j'en ai là-dedans. Et puis, tu sais, vous voyez, j'ai mis des trucs sur le dessus. Donc, il reste pas mal de petites choses à faire. Et puis, ma pile de trucs est ici à date que j'ai à jeter. Là, je me suis changée, tantôt j'étais en jogging. Je m'en vais. Chez Tanguy, je vais faire 2-3 affaires parce qu'on est en train de... On a acheté un matelas hier et puis nous, on veut changer notre set de chambre aussi. Donc, on magasine ça. On a déjà fait Ikea. On a fait quelques petites places. Donc, je m'en vais faire des courses. Puis, hey, pendant que je faisais mon ménage, tu sais, ces temps-ci, ils n'arrêtent pas de parler de NYX, là, avec le truc à deux côtés, là, qui est donc extraordinaire. Mais tu sais, moi, je comprends pas pourquoi le monde capote parce que c'est des choses qui existent depuis tellement longtemps, là. Regardez lui, là, de Rimmel. Puis là, je vous le dis, ça fait longtemps que je l'ai. C'était la même chose. Il y a un côté avec le rouge à lèvres, puis l'autre côté, on mettait le baume par-dessus, puis ça restait, ça partait pas, là. Même chose pour L'Oréal, tu sais. Là, je les jette parce que ça fait trop longtemps que je les ai. Mais, tu sais, ça me fait rire, là, tout le monde capote, mais c'est un concept qui existe depuis tellement longtemps. Puis, tu sais, je sais pas si ces compagnies-là ont encore ces produits-là. Mais bref, voilà. Fait que je vais aller faire des petites courses. Et puis, tout à l'heure, si j'ai le temps, je pense que je vais vous montrer... j'avais beaucoup montré sur Instagram mes cornichons frits avec mon air fryer, qui est une achat que je suis tellement contente. Je pense que je vais vous parler un petit peu de ça tantôt. Donc, je vais aller magasiner un peu des trucs pour la maison. Puis, on se revoit tantôt. Hey, il est rendu 3h05. Ce matin, on a été au ameublement Tanguy. Et puis, c'est fou, c'était la première fois que j'y allais. Là, je parle pas fort, mon chum, il dort en bas. c'est la première fois qu'on y allait depuis comme la pandémie et tout ça. Fait que c'est hyper poche et un peu compliqué. Là, tu sais, on arrive, on donne notre nom, on prend un petit chiffre, on s'assoit dans une salle d'attente et puis ensuite, on va... attendre qu'un vendeur vienne nous voir, puis il reste avec nous tout le long. Fait que, tu sais, des fois, tu as le goût de jaser, de prendre ton temps. Fait que, tu sais, on s'est senti un peu pressé par le temps, et puis, en fait, quand on est parti, on a comme rien trouvé à notre goût là-bas. Et puis, regardez, j'ai été faire un petit tour au Winners, et puis, je me suis acheté une nouvelle robe de chambre. Vous savez, ma passion, rester en pyjama. Fait que, tout de suite en avant, je l'ai mis dans la laveuse, je l'ai lavé, séché pendant que je préparais à dîner, et puis, ben, j'ai sauté dedans.
Fait que très belle et confortable. Et puis, j'ai fait un petit dodo parce que je vous disais que j'avais une migraine, donc j'étais hyper fatiguée. Ça l'a fait du bien vu que je dormais pas beaucoup. Puis regardez, j'ai refait mes ongles. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Je les ai fait avec, encore une fois, le Nail Création. Je vais vous montrer la teinte tantôt. J'aime vraiment la couleur. C'est comme une couleur tan, un peu brunâtre. Et puis, j'ai décidé de les faire pointu pour faire un peu changement. Et puis, je ne l'avais pas dit aussi, j'avais été, il y a 2 semaines, refaire percer mes oreilles. Là, c'est un peu rouge parce que c'est en train de guérir. J'avais reçu à Noël un certificat cadeau de chez Empire, qui est à Québec, ici, pas mal la seule place que je vais pour me faire percer. Puis là, j'hésitais à faire le conch, là, qui est comme à l'intérieur, ici. Puis là, il m'a dit ben, que j'ai des petites oreilles, puis moi, je guéris vraiment pas bien. Fait que petites oreilles, le masque, il dit que je vais avoir encore plus de difficultés pour la guérison. Fait que je me suis dit, regarde, fais-moi juste 2 petits anneaux, super simple. Puis ça fait bien mon plaisir. Donc, voilà, ce qui est pour le ménage, ben j'ai pas retouché à ça, ça me tentait pas. Hey! Je voulais vous montrer aussi, dans ma salle de bain, j'avais fait du ménage, puis je voulais vous montrer rapidement là, ce que ça a de l'air. Donc, ici, j'ai fait un mini ménage. Tu sais, j'avais acheté des bacs de rangement comme ça, celle-là. Hier aussi, ce matin, je veux dire, j'ai aussi acheté des bacs au IKEA quand j'y étais vendredi. Et puis là, j'ai un grand bac ici, fait que j'ai mis tous mes shampoings secs, produits coiffants. Ici, j'ai mes huiles, mes plus petits produits, des shampoings revitalisants. Fait que c'est super le fun. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, j'aime bien ça organiser. Puis je voulais juste vous dire que je suis en train de tester plein de produits. Tu sais, il faut vraiment que je les teste un par un. De la compagnie Inkylist. Alors, j'en ai, je crois, 11 que j'ai presque fini. Il y en a 2 que je n'ai pas encore testé. Donc, ça va être à venir. Puis ici aussi, Inkylist, j'avais aussi ça. J'avais ici aussi le nettoyant. Puis là, ben, ici, j'ai tous mes produits. Puis j'en ai d'autres ailleurs de The Ordinary que je suis prête à faire ma vidéo aussi. Fait que ça s'en vient, je dirais, si j'ai pas de migraine, la semaine prochaine. Donc, voilà, je vais faire un petit update que j'ai plein de beaux produits à vous présenter. Ma chambre de bain, elle a vraiment pas un bel éclairage, c'est dommage parce qu'il y a quand même pas mal de place. Aujourd'hui aussi, je vais peut-être vous filmer ma routine soin du soir. Sauf que là, il fait très soleil et puis quand je fais ma routine du soir, c'est quand c'est le soir. Et puis, je mets pas de crème solaire, donc là, je trouve ça un petit peu plate. Vous avez, je sais pas si vous êtes aussi têteux que moi, mais moi, quand je fais... mes soins, si je suis dans la maison puis qu'il y a du soleil, il faut que j'aille une crème solaire. J'ai pas le choix. Donc, là, il fait encore beaucoup soleil. Alors, c'est pas le temps de faire ça parce que, comme je dis, je veux pas remettre de crème solaire pour mes soins du soir. Donc, mon chum fait encore dodo. Donc, c'est certain que je pourrais pas filmer les cornichons. Donc, ça sera dans un autre vlog ou peut-être si je continue un vlog plus tard ou demain, je vous montrerai ça. Bon, alors me revoici et puis je suis en train de faire le montage et j'ai plus que 35 minutes. Donc, je vais m'arrêter ici. De toute façon, je voulais juste faire une petite vidéo parce que justement, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Je l'avais dit sur Instagram, c'est migraine par-dessus migraine. Fait que tu sais, quand t'arrives la fin de semaine puis t'as une migraine, ben t'es fatiguée, tu te reposes. Là, aujourd'hui, ben j'ai pris un petit peu d'énergie pour le faire parce que honnêtement, j'en avais envie, là, je me suis pas forcée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog ménage. Et puis, on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao! Désolée hein, d'être souvent en pyjama, on dirait que j'en prends une habitude.